toujours un fil conducteur que le ministère du Tourisme a tissé patiemment et qui nous a permis aujourd'hui, grâce au support technique et logistique de l'équipe dynamique de l'UCLBP, Patrick Harry, félicitations, de vous annoncer la candidature de la cité de Magloire-Amboise pour entrer dans le cercle très fermé des villes créatives internationales. Jacmel, ce soir, est une ville créative internationale. Qu'est-ce que cela donne de plus à cette destination qui exporte depuis si longtemps sa culture et depuis quelques années son carnaval coloré de masques? Je veux, en des mots simples, vous assurer que le chemin, je dirais le futur de Jacmel, est tout tracé. Elle a l'avenir d'une destination culturelle créative. Elle le deviendra en raison des efforts consentis par l'administration Martelly-Lamotte qui la dote aujourd'hui des infrastructures adéquates. Chacun a compris tout au long de cette journée qu'il y avait quelque chose de changé dans cette ville et que demain, celui qui visitera Jacmel ira se promener au bord de mer de Pétion Bolivar et visitera la place de Pétion Bolivar et viendra dans les conventions dans la superbe salle du centre historique de Jacmel. Nous avons balisé un circuit de promenade riverain, le bord de mer, revitalisé à côté du centre historique rendu à la circulation piétonne, qui permettra de vivre l'expérience d'une vie culturelle. Tout devient possible alors. Participer à l'expérience de l'émergence de l'art et de la créativité en réalisant soi-même son masque de papier mâché ou de lever les yeux sur les façades rénovées du centre historique pour se remettre en mémoire les splendeurs passées d'une ville à l'activité économique débordante et une fois de plus le soir venu, se laisser entraîner dans la danse pour donner sa propre expression d'un carnaval toujours renouvelé et présent. C'est ça, Jacmel, ce soir.